Coucou mes petits lutins, là on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire le tuto, ou plutôt le speed modeling de cette petite création, donc la tour de la princesse réponse. J'espère que ça va vous plaire, parce que c'est une création qui m'a demandé quand même pas mal de fil à retordre, notamment pour le montage de cette vidéo qui a duré très très longtemps, parce qu'en fait cette création là je l'ai faite en plusieurs jours, et donc du coup qui dit plusieurs jours dit plusieurs vidéos, et qu'il fallait que je mette tout en une seule, c'était un peu compliqué, mais bon j'y suis arrivée, ça y est. Pfff. Donc je commence par faire la base, donc j'ai fait en carton et en papier canson. Alors je suis désolée d'avance pour la couleur du papier canson, mais j'avais rien d'autre. J'évite de trop parler, je préfère vous laisser regarder pour la base, hein. C'est pas... Les actes parlent d'eux-mêmes quoi, c'est plus... voilà, bref. Entre temps ma caméra a coupé, donc je suis vraiment désolée, j'ai protégé tout un intérieur en alu, puis j'avais commencé à faire les fenêtres et j'ai mis du papier canson tout partout parce que je voulais que ça soit homogène. Ça c'est un petit peu mon côté un peu maniaque quoi, je préfère quand tout est pareil. Et donc là c'est parti pour la fimo. Je vous l'avoue, j'ai un peu galéré avec les pastels parce que j'ai vraiment des pastels vraiment pourraves. J'arrivais pas à faire l'effet brique, donc là, franchement, vous faites vraiment comme vous voulez.
Donc ensuite pour cette étape là j'ai eu des soucis à la cuisson, j'ai dû la refaire après. J'ai pas pu vous filmer les étapes de comment j'ai fait, mais en fait elle sera beaucoup plus grosse. Vous la verrez juste après quoi. Donc voilà, une des parties que j'ai dû couper malheureusement parce qu'on voyait rien du tout de ce que je faisais, c'est les deux petits balcons que vous avez pu voir, et j'ai aussi fait le contour des fenêtres. Et en même temps, vous pouvez aussi voir la base que je vous avais dit juste avant, que j'avais foirée, que j'ai faite beaucoup plus grosse du coup. Thank you.
là c'est pareil, il y a un passage que j'ai dû couper malheureusement parce que j'étais pas du tout cadré. Donc là j'ai fait faire un petit boudin de marron tout autour et j'ai fait trois autres étages, enfin plutôt deux autres, en tout ça en faisait trois. Donc là vous les voyez un petit peu. Donc c'était le même système que le premier quoi, voilà. Donc là c'est pareil, on voit pas vraiment ce que je fais, mais je vous ai laissé le passage quand même pour à peu près voir, mais je fais les espèces de petites poutres qu'il y a en bas de la tour. Et c'est pareil, donc après j'ai mal cadré, donc j'ai dû couper carrément, mais je fais pareil à l'étage au-dessus. Je sais pas comment m'expliquer, j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit, enfin vous le verrez juste après de toute façon. Et donc voilà les poutres que je vous avais parlé juste avant, et j'ai aussi fait la texture en même temps quoi. Et donc là, maintenant, je vais m'amuser à faire toute la texture de l'herbe. Je sais pas trop comment dire. Enfin, mettre un peu de verdure, un peu de gaieté sur la tour. Maintenant avec toutes ces petites couleurs là, on va s'amuser à faire plein de petites fleurs. Youhou. Je vous en montre quelques-unes, mais après je vous ai pas assez les détails parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long quoi. Et j'en ai fait un petit peu en plus pour faire aussi la base de la tour. Parce que faut quand même que ça soit un peu fleuri un petit peu partout quand même. C'est Disney, hein. Faut pas l'oublier. Et donc voilà le résultat final. Après plus de 8 heures de boulot, ça c'est le résultat que j'ai trouvé en additionnant toutes les vidéos. J'ai mis 8 heures à faire cette création. Fou. Quand j'y repense, putain. Je sais pas si je refais une deuxième. Hein. Bref, j'espère que ce petit speed modeling vous aura plu. Si vous vous inspirez de moi, je serais super heureuse de voir votre résultat parce que je suis une vraie petite curieuse. Puis ça fait toujours plaisir de toute façon, donc voilà, si vous pouvez me montrer le résultat, je serais vraiment très 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 contente. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Je vous fais à tous de gros gros bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye mes petits lutins.